Salut les barbus, aujourd'hui on est le mardi 24 mai 2016. Avant de commencer, j'aimerais remercier le monsieur qui m'a fait dans les commentaires pour expliquer comment ça marche ça. En fait, c'est bête comme chou. Vous rentrez votre contrôleur NES dans le truc et hop, vous avez une manette. Et en fait, les trucs ici viennent appuyer directement sur les boutons de la NES. Donc, je me souviens plus comment tu t'appelles, mais merci beaucoup. Aujourd'hui, grande nouvelle, puisque c'est officiel, j'ai signé un partenariat avec l'Aimant, qui sont des fabricants de matériel. Ils font des matériels sur plein de choses, de l'abrasif, des machines-outils, têtes de perceuse, des trucs comme ça. Enfin, plein de trucs super génial. Et la Grotte du Barbu s'associe à l'Aimant pour faire plein de trucs. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils vont m'envoyer du matériel que je vais utiliser et ils pourront utiliser les vidéos et les photos que je leur enverrai ou qui seront publiées pour se faire de la pub. Un bon deal donnant. Moi, ça me permet d'avoir du matos. Et eux, ça permet de faire connaître leur marque et de démontrer que leur matos, il est pas mal. Et justement, c'est le sujet qu'on va aborder. C'est celui de, si vous voulez des trucs, il faut demander. Alors je sais très bien qu'en disant ça, je vais passer pour un abruti, mais c'est super important, qui est, si vous voulez quelque chose, il faut demander. Et ça, dans tous les domaines. Et par exemple, le cas pour moi, où, je vais vous donner un exemple, si vous ne demandez pas une augmentation à votre patron, il vous la donnera jamais. Si vous demandez jamais à une fille si vous voulez sortir avec elle, elle dira jamais oui. Et pareil pour les garçons. Et dans le principe du business, c'est la même chose. C'est-à-dire, je rencontre des gens qui font partie d'une boîte, je vois qu'il y a des choses qui peuvent être faites, je demande, toujours, systématiquement. Mon approche est toujours super transparente et super claire. En disant, voilà, je suis machin, je fais ça, je pense que votre truc, ça pourrait être sympa dans mon podcast, est-ce qu'on peut pas faire un deal? Si c'est pas possible, ils disent non, et c'est pas grave. Et si c'est possible, ils disent oui. Et s'ils disent oui, ensuite, négociation, est-ce que c'est du matos, est-ce que c'est du pognon, j'en sais rien. Mais c'est important de se mettre dans l'esprit que si vous ne demandez pas, on ne vous donnera pas. Donc pour obtenir des choses, il faut demander. Et il ne faut pas avoir peur de demander. Je sais que c'est un peu... ça peut intimider certaines personnes de demander, mais c'est une habitude. C'est une habitude et une gymnastique. Une habitude et une gymnastique, en particulier pour moi qui suis un gros nerd et en plus qui suis ultra timide. Pour essayer de me forcer, entre guillemets, à demander les choses, je me suis auto-donné des défis systématiquement. J'ai pas d'exemple vraiment précis à partager, mais le plus simple c'est de demander. De demander de façon la plus franche possible en disant je trouve que ce que vous faites c'est cool, justement j'ai besoin d'un machin. Est-ce que vous en arrivez pas en RAM? C'est par exemple ce que j'ai fait avec les amanches de Intel, qui m'ont filé un NUC et qui m'ont filé un compute stick que je vais utiliser dans un futur épisode de la Grotte du Barbu. J'aurais dit, ah bah tiens, j'aimerais bien faire des trucs sympas avec votre matos. Ils m'ont dit, ah ouais, bah tiens, voilà. Si j'avais pas demandé, ils me l'auraient pas filé. Et le pire qu'ils puissent vous dire, c'est non. Donc, c'est pas grave. C'est aussi important d'apprendre à absorber ces noms pour demander encore plus de choses et encore plus souvent. J'ai pris l'habitude, maintenant, de demander tout le temps à des gens que je connais, qui bossent dans des boîtes, ou des choses tout le temps. Alors ça fait un peu
genre je quémande des trucs. Non, je quémande pas. J'explique ce que j'ai envie de faire avec. Et puis, ben, ils avisent. S'ils ont pas envie, eh ben, ils me le donnent pas. Pour être complètement transparent, cette marque, l'aimant, je connaissais pas du tout. Et c'est eux qui m'ont contacté. En tout cas, j'ai regardé leur catalogue, j'ai regardé un peu ce que les gens disaient sur le web, et ça a l'air du matériel de très bonne qualité. Un peu plus de précision sur tout le matos, dans pas longtemps, mais il risque d'y avoir quelques si qui arriveraient, qui risquent de me simplifier la tâche pour faire ce genre de choses, et d'autres matériels à droite à gauche. Donc, plein de nouveaux épisodes de la Corde du Barbu qui sont prévus, plein de trucs super géniaux, avec du matériel mortel. Que demander de plus, hein ? Merci à tous pour vos commentaires, qui sont toujours intéressants. Bon, il y a quelques trolls comme d'habitude, mais ça c'est normal. Très très content de ce partenariat, et puis de toute façon je vous tiendrai au courant dès que le matos arrivera ou dès que j'aurai d'autres nouvelles. Et n'hésitez pas à demander, sinon vous aurez rien. Voilà. Comme d'hab, commentaire, abonne-toi, c'est plus vite que ça. Et à très bientôt.